Je me trouve au Luc sur le circuit du Var. La personne qui tourne ici s'appelle Alain. Il a un Opel Speedster. Alors juste pour rappel, l'Opel Speedster est sorti en 2000. À l'époque, c'était une collaboration entre Opel et Lotus. Elle est connue cette voiture pour être ultra légère, moins de 900 kg et puis surtout un petit moteur, 147 chevaux. Alors c'est pas impressionnant comme ça, mais je peux vous dire que celle qui tourne ici est très modifiée. On va voir ça tout de suite. Je peux monter avec toi? Bah, je t'en prie, Nicolas, monte! Cool. Allez, je vais équiper un peu. Nickel. Bon, je vais essayer de. Attention à ta ceinture! Ouais. Voilà. J'aimerais raconter un peu ta voiture parce que c'est quand même. C'est un beau bébé! Donc, la voiture, c'est une Vauxhall VX220. Ouais. Elle est connue en France sous le nom de ouais, Opel. Vauxhall, ouais, c'est Opel, Opel au Royaume-Uni, ouais, tout à fait, Vauxhall. Exactement. Pourquoi t'as choisi cette marque-là? Alors au départ, j'étais parti sur une Élise S1. Ouais, donc il y a un peu la cousine. La petite Élise, la première. Ouais, ouais, chez Lotus. C'est une Lotus. Et le problème, c'est que l'Élise S1, elle est réputée un peu fragile avec son moteur K de chez Rover. Oh, qu'est-ce que ça vire à plat, ce truc. C'est hallucinant. C'est excellent. Le souci avec l'Opel Speedster au départ, si tu veux, c'est qu'elle était faite pour les clients Opel. Elle était un petit peu aseptisée. Ouais. Et moi, je voulais quand même une Élise. D'abord, on a commencé sur le châssis. Ouais. Amortisseur, freinage, réglage, ouais. Les jantes, la taille des pneus. Et puis ensuite, on a travaillé sur l'aérodynamique. D'accord. Pour mieux refroidir, pour avoir de l'appui. Ouais, ouais. Et on a fini par une préparation moteur. Ouais, bah en tout cas, extérieurement, bah, vous le voyez, elle est magnifique. C'est impressionnant. Et qu'est-ce que c'est efficace pour le coup? Parce que alors, justement, moi, je me posais la question, c'est quoi ton temps de référence, toi? C'est une 02-71. Une 02-71, alors. Je te propose un truc, je vais pas essayer de battre ton temps parce que c'est pas possible. J'ai pas essayé cette voiture depuis presque 20 ans et en plus c'est pas la même et je connais pas le circuit pour le coup. J'essaye de faire 5 secondes au-dessus déjà. Si t'arrives à 5 secondes de moi, c'est-à-dire une 07, ouais, t'es bon hein. D'accord. Eh ben écoute, c'est parti, on essaye. Tu regardes s'il y a quelqu'un qui arrive. Ouais. On voit pas trop vite au début, les pneus refroidis. Ouais, ok. Ouais. Traîne. Celui-là, je te promets, il te met dehors si tu fais pas gaffe. D'accord. Ok. Ouais, il est un peu. Allez, vas-y, il est un peu chaud. Prends ici. Ouais, puis en plus, il n'y a pas beaucoup d'échappatoire, donc tu te fais mal, quoi. Ah, enfin, t'abîmes ta caisse et tu te fais la merde. Il te pardonnera pas, ouais, la caisse, ouais. Elle y reste. C'est marrant, alors, si je peux me permettre, c'est un moteur Atmo qu'on a, là. C'est un atmosphérique. Et il c'est dingue, on a un effet turbo, on a l'impression qu'il est tellement ouvert. C'est, enfin, franchement, je suis étonné du couple qu'il peut y avoir. Je trouve qu'il est, il prend des tours, mais en même temps... Alors ça, c'est dû à la préparation. Il repart bien, quoi. Qu'est-ce qui repart bien? Mais j'avais jamais vu ça sur un Atmo, hein. Franchement. Hein. Les préparateurs, ils ont travaillé très gros dessus. Et du coup, ça rend la voiture quand même performante au niveau châssis, moteur, ouais. Aéro. C'est bien, c'est joli. Et écoutez-moi ce son de 4 cylindres de dingue. Ok, il a 4. Freinage. Freinage. Elle fait des petits bruits sympathiques derrière. Ouais, j'oublie chaque fois de me déporter. Là, faut prendre plus l'extérieur. Freine, ouais. Vraiment, là. Moi j'aime pas le turbo hein, sur un circuit, le problème c'est que la puissance la repart prise, régulièrement. Ouais, ouais. Ouais ça risque de partir trop vite, il y a trop de couples qui arrivent d'un coup. Et puis en plus t'es limité en régime moteur, là tu montes à 7000 tours hein, quand tu envoies vraiment fort quoi. Au niveau non, avec un bon préparateur, tu sors autant d'une Atmo que d'une turbo. Ouais c'est dingue. On est vrai, mais on est soudé, on sent qu'elle est... Enfin on communique vraiment avec le sol quoi. Et Nicolas, t'es en train de rouler sans la moindre assistance, il n'y a ni ABS, ni antidérapage, il n'y a rien. Et ouais, c'est ça, toi qui pilotes. C'est les vraies sensations, c'est les vrais. C'est un vrai truc, c'est génial. Ouais, tu la tiens plutôt bien, moi je trouve, hein. Ah ouais? Bon bah écoute. Faites un joli couple tous les deux, ça va? Ouais, c'est bien, ouais.
J'ai un petit peu honte. Disons que toi, t'as fait 1.02, moi j'ai fait 1.21, c'est ça, c'est bien ça qui est affiché sur le chrono? C'est ce qui est affiché. Je crois que je vais changer de métier. Je vais faire, enfin, en tout cas, je vais pas faire pilote, ça c'est sûr. C'est énorme la différence entre nous deux là. Attends, elle s'explique d'abord parce qu'on est deux dans la voiture. Ouais. Que tu fais 10% de poids de la voiture en plus. Moi, ouais. Toi, ça, hein, ouais, t'as pas un gabarit de pilote. Ouais. Donc on perd quand même, allez, 1,5 secondes, 2 secondes, 3 secondes au tour. Ouais, alors 3 secondes, mais alors ça fait plus que 16. Attends. C'est ça le problème. Voilà. Tu découvres la piste, t'as pas l'habitude de cette piste. Ouais. Qui est moi, très belle, hein. Franchement, l'endroit est très chouette. Et moi, sympa. Je tourne que sur cette piste-là, donc je la connais par cœur. T'es chez toi. Ça fait une sacrée différence, d'accord? Tu découvres une voiture que tu connais pas. Ouais, bah, pas celle-là en tout cas. Et justement, je vais rebondir là-dessus. J'aimerais bien que tu m'emmènes à l'endroit où tu as fait préparer cette voiture. Ah bah oui, il faut aller voir le docteur en ingénierie. Il y a un docteur. On va aller voir le docteur alors. Wouhouhou! Tu vas, toi? Ça va? Ouais, c'est un plaisir de te voir. Ouais, grave. Bonjour Nico. Pardon, enchanté. Stéphane. Alain. Salut. Ça va? La forme? Ouais, c'est bien. Alors Nico, t'as passé une bonne journée? J'ai ultra kiffé ta voiture, c'était top. D'accord. Je te laisse avec nos deux amis, préparateurs. C'est les fautifs. Te dire au revoir, oui. Exactement. Merci à toi, c'était top. A bientôt. A bientôt. Plaisir, Alain. Bon messieurs, le speedster d'origine, je connais. Il est comme ça, il ressemble un peu, mais celui-là, il est vraiment différent. Vous avez tout changé. C'est impressionnant. La face avant, on va commencer par le commencement. Face avant, vous avez fait quoi exactement? Allez, je commence par l'aéro. On a fait une ouverture de la coque ici. D'accord. Pour refroidir le freinage. Ouais. On y a ajouté les ailettes, parce que forcément, il y a trop d'air qui s'engouffrait dedans. Ça se levait. Ouais. C'est ça. On y a ajouté du coup les ouvertures ici, parce que trop d'air s'engouffrait, elles se levaient. Grâce à ça, on a amélioré la garde devant. C'est joli en plus, j'adore. C'est ça. Après, pour le toit. Ouais. Tu l'as vu sur piste, c'est un sauna. C'est un four. C'est une catastrophe, donc forcément on est obligé au moins de faire rentrer de l'air dedans, ce qui permettait au moins de refroidir un maximum la voiture. Merci. Quand on est passé par l'intérieur, tu te dis bien qu'il fallait refroidir aussi le moteur. Évidemment. Donc on a rajouté des écopes en carbone. D'accord. Qui font rentrer un maximum d'air frais. On monte au moteur parce que le moteur, vu qu'il est modifié, les performances, bah forcément ça chauffe plus. Ouais. Et l'air frais après s'évacue directement par là pour refroidir en même temps l'échappement. On a aussi ouvert du coup pour faire évacuer l'air. Et on a mis le petit becquet pour l'appuyer l'arrière. Elle a un look extraordinaire. Élément très important qui bat beaucoup plus le moteur. On va te montrer un petit peu ce qu'on a fait. On va l'ouvrir, on va te montrer un peu la bête. Je veux bien, ouais. Voilà, du coup, gros travail dessus. D'origine, on a 147 chevaux hein, de mémoire. Tout à fait, c'est exactement ça. Je vois un peu creux, personnellement. Mais là, c'est plus pareil. C'est complètement différent, là. Il faut que tu te donnes une idée que là, on est arrivé à 200 chevaux, sans turbo, sans compresseur. Là, au niveau des pièces, on a changé pas mal d'éléments. Donc, on a changé forcément l'admission qui a été modifiée. On a changé tout ce qui est le collecteur d'admission. On est passé d'un 2,2 litres à un 2,4 litres. D'accord. Après, on a changé... On est passé sur le côté injection, donc on est là sur un gros débit. Ouais. On est passé aussi également, du coup, pour le couple, à compression, on a mis des arbres à cam sport plus pentus. Ce qui permet d'avoir plus de réserve en bas. On est d'accord. Et en continuant sur le couple, au niveau de la transmission, on lui a mis un volant moteur allégé. Ouais. Et un disque carbone sur le mécanisme d'emballage. C'est génial. Au niveau châssis, globalement, vous avez fait des choses aussi? Oui, le châssis il a été modifié. Suspension. Donc on a pas mal de choses qui ont été modifiées. Les suspensions, le freinage, tout ça, on était obligé de passer par là. L'origine, c'est ferme, mais là, c'est un sacré bout de bois. C'est soulevé au sol. Il fallait le faire forcément. Donc, c'est très, très incisif. C'est ce qui lui a donné cette performance-là. Bon, messieurs, dernier point, VV Works, c'est quoi exactement? Parce que vous ne faites pas que des speedsters modifiés. Je vois qu'il y a d'autres belles choses ici. C'est quand même... Ah ouais, j'aime bien. Donc là, tu as une restauration de Mustang de 67. C'est très très beau. En 289. Magnifique. C'est ça. Et là, juste au-dessus. Et là, on est sur une Chevelle de 66 en big block, 7 litres 4 qui va faire les 800 chevaux. Waouh, c'est bon ça. Et alors, tu sais quoi? Ça, je veux voir quand c'est fini. Franchement. Carrément. Parce que ça va forcément être super bien. En tout cas, merci. Bravo, surtout. Au plaisir, merci. Changez surtout rien, parce que ce que vous faites, c'est magnifique. Et puis, moi, je vais revenir pour essayer ça. Eh ben, très bien, alors.